Sam est employé par la division de distribution de l'eau d'une ville importante. Il est chargé de vérifier les compteurs dans toute la ville. Cela représente un travail considérable. Il doit relever 76 compteurs dans la journée. Trajet coûte $1,50. Le bus ne devrait plus tarder. Dans une minute, il sera là. Allô, Sam ? Qu'est-ce qu'il y a, Franck ? J'ai pas le temps de te parler. Sam ? Ouais, attends. Ouais, Franck, je te l'ai dit, je serai là. Attends, il me reste encore une quarantaine de compteurs. Alors, je me dépêche. Il faut le montant exact pour monter, tu sais. Saleté d'heures supplémentaires, j'aurais jamais fini à temps. Hé, hey Jean. Ouais. Au combat? Entre qui et qui? Jones et Marconi. Marconi? Ouais. Marconi? Marconi, c'est qui? Bah, tu sais bien. Il va le démolir, il a une sacrée allonge. Oui, Sam, dites. Est-ce qu'il pourra venir? Ouais, il a dit qu'il nous rejoindrait. Il fait le circuit ouest aujourd'hui. Et vous savez ce qui arrive quand on fait le circuit ouest? On rentre chez soi au petit jour. Rachel appelle Sam encore une fois. Je trouve qu'il tarde. Sam? Ce soir, Sam aurait pu être en compagnie de ses amis, en train de regarder un combat de boxe. Mais Sam ne rentrera plus jamais chez lui. Son décès fut constaté après plusieurs tentatives de réanimation. Avant de pénétrer dans un espace clos, l'atmosphère doit toujours être contrôlée. Une fois à l'intérieur, il est nécessaire de faire un nouveau contrôle ou un contrôle continu. Tous les employés qui travaillent dans des espaces clos devraient connaître les dangers potentiels, les possibilités d'accidents et les procédures à respecter avant de pénétrer dans un espace clos. Ces procédures sont les suivantes. Un contrôle de l'atmosphère pour s'assurer qu'il y a assez d'oxygène, une ventilation adéquate et une vérification de la présence de polluants toxiques dans l'air. Les employés et les chefs d'équipe sont formés à choisir et à utiliser correctement les équipements respiratoires. Vous voyez ? Quand on travaille dans un espace clos, il faut ventiler correctement afin d'éliminer les risques d'atmosphère dangereuse. Il y a deux types de ventilation mécanique, la ventilation locale et la ventilation générale. La ventilation locale aspire les polluants à leur source et les élimine. La ventilation générale assainit l'atmosphère en soufflant et en évacuant de grands volumes d'air. Lors de cet horrible accident, la qualité de l'air n'avait pas été contrôlée au préalable et l'espace clos ne disposait pas d'une ventilation adéquate. Comme l'atmosphère n'avait pas été contrôlée et enregistrée sur un permis de travail en espace clos, quand l'employé s'est aperçu de la présence de méthane et de dioxyde de carbone, il était malheureusement trop tard.